Nous accueillons donc Carole Meynier, qui est docteur en philosophie et professeur de philosophie à l'Université de Lausanne. Ses recherches portent sur la philosophie allemande et autrichienne des 19e et 20e siècles, ainsi que sur l'esthétique et la philosophie de la culture. Elle a notamment dirigé un numéro de la revue germanique intitulé « La Kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg comme laboratoire ». Philippe Despois, qui est professeur titulaire au département de littérature comparée à l'Université de Montréal, il est spécialiste de la pensée germanique du XXe siècle et ses domaines de recherche portent sur la théorie et la pratique de l'intermédialité. Il est l'éditeur scientifique des fragments sur Avi Warburg de Gertrude Bing, qui est son troisième ouvrage sur la bibliothèque d'Avi Warburg. Et enfin, Carlo Ginzburg, qui est historien de l'art, mais aussi anthropologue, philosophe, professeur émérite à l'École normale supérieure de Pise, que nous remercions vivement d'être présent ce soir avec nous. Et il est l'auteur de l'avant-propos de l'ouvrage qui va vous être présenté. Alors chacun de nos invités connaissent bien évidemment la pensée d'Avi Warburg, mais également ce qui probablement demeure vivant de ce personnage aujourd'hui encore. Je veux parler de sa bibliothèque qui pense et ce qu'on peut peut-être dire sur cette transmission qui s'est faite d'Avi Warburg, c'est qu'elle s'est peut-être faite en partie grâce à une personnalité qui a été intimement liée à son fondateur, Gertrude Bing, dont il va être question ce soir. Merci beaucoup. Alors, bonsoir à tous. Merci d'être là dans des conditions un peu particulières, mais rien ne nous effraie, ni les masques, ni la distance, ni les horaires compliqués, ni la technique, en remerciant tout le service technique pour la liaison donc avec Carlo Ginzburg, qui est en Italie. Donc, nous allons vous présenter l'édition que voici, que vous avez peut-être vue sur la table à l'entrée en arrivant. Une édition donc totalement inédite des textes de Gertrude Bing, qui a été une collaboratrice extrêmement proche. Nous allons en parler tout au fil de la discussion. Une collaboratrice très proche de Avi Warburg. Alors, Philippe Despois vous projette ici justement l'édition et nous précisons que Philippe Despois l'a faite avec aussi Martine Tremmel, qui est professeur à Berlin. Voilà, histoire de ne pas oublier tous les collaborateurs de cette entreprise. Alors, Carlo, si vous m'entendez bien, ça va ? Bon, parfait. Formidable. Parce qu'en plus, nous sommes obligés de parler avec des masques, ce qui n'est pas très, très, très aisé. Je voudrais vous poser une première question très simple, qui est de recueillir votre témoignage quand vous êtes arrivé à la bibliothèque à Londres, à la bibliothèque Warburg. Bing était encore en fonction à ce moment-là, je crois. Est-ce que vous pourriez partager avec nous rapidement un souvenir personnel? Oui. Alors, il s'agit d'un souvenir qui date précisément de l'année 1960. J'avais 21 ans, j'étais allé à Londres pour visiter ma famille. Delio Cantimori, un grand historien dont je suivais les séminaires à l'École normale de Pise et qui m'a appris énormément de choses, s'est trouvé à Londres lui aussi. Il me proposa de l'accompagner à l'Institut Warburg. À l'entrée, nous avons rencontré Gertrude Bing, qui dirigeait l'Institut. Une rencontre très amicale. Ils se connaissaient, Bing et Cantimori, depuis les années 30, lorsque Cantimori avait contribué à la rédaction de la bibliographie sur la survivance de l'Antiquité, publiée par l'Institut Warburg en 1934, après son transfert forcé de Hambourg à Londres. Cantimori me présenta à Gertrude Bing. Elle me dit avec un sourire, « Good training !» Eh bien, je dois dire que pour ma formation, la bibliothèque Warburg, celle que j'ai appelée il y a quelques années une machine à penser, a été tout à fait fondamentale. Merci infiniment et ça rend le personnage, je l'espère, pour tous vivant. C'est pas qu'une histoire ancienne, la preuve. Alors, j'aurais une question pour Philippe. Si tu veux bien y répondre.
Ma première question serait sur les raisons pour lesquelles vous éditez avec Martine Tremmel ce livre à partir des fragments d'une biographie intellectuelle qui n'a pas vu le jour. Oui, merci. La réponse n'est peut-être pas évidente. Bien évidemment, c'était une commande de la collection inédite de l'INHA. Mais je crois qu'il faut dire la chose suivante, c'est que avec Warburg, on est face à un paradoxe d'un penseur sans œuvre au sens traditionnel du terme. Il a écrit une douzaine d'essais. Lui-même disait qu'il était fait pour laisser un beau souvenir, mais pas des œuvres complètes. En fait, son œuvre, je pense que ça a été évoqué, son œuvre, c'est sa bibliothèque. Et sa bibliothèque, c'est quoi? C'est un collectif de recherche, depuis le départ, à la tête de laquelle il y avait non seulement Warburg, mais aussi Fritz Saxel, qui en avait fait une institution semi-publique au moment où l'université de Hambourg a été créée, au début des années 1920, et Gertrude Bing, depuis presque le début, depuis 1921, qui est devenue au fil des années sa plus proche assistante. Gertrude Bing, c'est celle qui, après la mort de Warburg, a édité ses œuvres dans les deux volumes des Gesammelte Schriften en 1932. Une œuvre qui malheureusement n'a pas eu de réception dans la mesure où en fait elle est parue dans les premiers mois de 1933, au moment même où l'Institut Warburg, enfin la bibliothèque Warburg, était en train de commencer à déménager à Londres. En exil à Londres, Bing est celle qui, une fois l'institut reconstitué avec Saxel, est celle qui a ordonné les archives de Warburg et qui, parmi les multiples travaux dont on va encore parler, avait projeté une première biographie intellectuelle du fondateur de la bibliothèque, d'Abby Warburg, qui devait compléter son édition de 1932 et qui a vu le jour sous une deuxième version, à savoir l'édition italienne de 1966, qui a aussi inauguré une nouvelle phase. 1966, c'est le centenaire de la naissance de Warburg, ça aurait dû être aussi l'année de publication de cette biographie intellectuelle, mais malheureusement, elle est restée inachevée parce que Bing est décédé prématurément en 1964. Malgré tout, des fragments tout à fait remarquables sont restés dans les archives. Je pense que ces textes, et le livre en fait foi, je crois, sont les plus précis, ce qu'on n'ait jamais écrit sur l'homme et sur la méthode de Warburg. Et c'est fondamentalement la raison pour laquelle nous avons voulu éditer ces fragments. Nous avons présenté en fait l'état de l'archive, dans l'état où ils étaient, dans les langues où ils étaient, puisqu'on a la présence de deux, même trois langues. Et l'idée était d'aller un petit peu en deçà, de faire presque une archéologie du volume de Ernst Gombrich de 1970, qui parut en anglais, Abby Warburg, An Intellectual Biography, qui a été traduit relativement récemment en français, je crois, il y a quelques années. Et ce livre, en fait, a dominé la réception de Warburg pendant de nombreuses années, on pourrait dire à la place de cet ouvrage de Bing, qui, elle, avait été très proche de Warburg, alors que Gombrich n'avait jamais rencontré Warburg. Donc, une toute autre perspective. Et alors justement, je voudrais rebondir sur cette double voie, disons, qu'on a biographique concernant Warburg, puisque d'un côté, il y a maintenant les textes de Bing, et de l'autre, il y a donc la biographie que tu viens de le signaler et d'en parler, la biographie donc de Gombrich. Et alors là, je m'adresserai à vous, Carlo, et je voudrais citer un bref passage de votre avant-propos dans l'édition. Je cite donc... on présente ici les matériaux préliminaires à ce projet inachevé. Il fut repris par Ernst Gombrich en témoignage de sa gratitude envers Gertrude Bing. Ce grand historien de l'art viennois le mena à son terme avec un savoir extraordinaire, mais une sympathie intellectuelle limitée pour celui qui faisait l'objet de la biographie.
Je poursuis. Une comparaison entre les deux Warburg, celui achevé d'Ernst Combrich et celui inachevé de Gertrude Bing, semble a priori peu utile, tant la différence entre les deux points de vue est évidente. Alors, je voudrais vous faire réagir sur cette différence si, si évidente. Oui, voilà, c'est une provocation intellectuelle. Alors, je pense qu'il y a une note dans le livre que nous sommes en train de présenter à la page 99. Et il s'agit d'une note de Siegfried Krakauer après sa rencontre avec Bing, juillet-octobre 1960. Alors, Krakauer, le grand historien du film, qui a écrit aussi un livre très important sur l'histoire. Alors, il dit que Bing pense que l'héritage intellectuel de Abby Warburg est menacé par une double déformation. D'un côté, Erwin Panofsky, et de l'autre côté, Ernst Combrich. Alors, dans le cas de Panofsky, il s'agit d'une absorption de l'iconographie en tant que but en soi-même. Pas un instrument, mais un but en soi-même. Et de l'autre côté, il y a Combrich, et Bing était très préoccupé par, disons, l'approche de Combrich centrée sur la psychologie. Alors, je dois dire que Bing, avait tout à fait raison, c'est-à-dire que, évidemment, le travail de Panofsky sur l'iconographie et l'idée d'iconologie proposée par Panofsky a, pendant des décennies, absorbé l'héritage de Abby Warburg. Dans le cas de Combrich, eh bien, il dit d'une façon très nette dans son livre que Warburg n'était pas intéressé au travail des connaisseurs. Je vais revenir sur ces points à la fin dans ma dernière intervention. Il dit que Warburg visait plutôt à une psychologie scientifique du processus artistique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Combrich lui-même analysait soit les processus artistiques, soit sa réception du point de vue psychologique. Mais il s'agissait d'une psychologie très différente de celle de Jung, qui rapprochait tout à fait à tort, à mon avis, à l'œuvre de Warburg. Alors, je vais revenir sur cette citation de Combrich à la fin de mon intervention, à la fin de ma dernière intervention. Merci beaucoup. Et je voudrais donc, et d'ailleurs je pensais en vous écoutant, dans les textes là que vous avez édités, l'inquiétude de Bing sur l'héritage de Warburg, sur l'image du Warburg et les mots, les expressions de Warburg passées dans quasiment le langage courant, cette inquiétude est constante dans tous les textes que nous avons là. On sent qu'il y a une préoccupation très forte de sa part. Alors, j'aurais une question pour toi, Philippe. Est-ce que tu pourrais, pour tous ceux qui ne connaîtraient pas très, très précisément l'organisation de cette KBV, est-ce que tu pourrais préciser la personnalité et le rôle de Bing dans cette entreprise collective, comme tu l'as dit au début, et c'est fondamental? Oui, le collectif est vraiment très, très important ici pour la Kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg. Pour ce qui est du personnage de Bing, c'est important de le rappeler parce que on se trompe souvent. Au départ, elle n'est pas une historienne de l'art, mais c'est une philosophe et une littéraire qui a fait des études donc de philosophie, d'histoire littéraire et de psychologie à Munich et Hambourg, et qui va passer sa thèse avec Ernst Cassirer. Une thèse sur le concept de nécessité chez Lessing et Leibniz. Une thèse qui est déjà, je dirais, interdisciplinaire avant la lettre. Mais c'est tout à fait intéressant de voir que Ernst Cassirer va la proposer à Fred Sachs
comme bibliothécaire pour la bibliothèque. Et elle va donc y rentrer fin 1921-22 et va être dans un premier temps bibliothécaire avec un travail, une responsabilité tout à fait énorme qui est de réorganiser la bibliothèque au moment où elle est en train de devenir une institution semi-publique. À partir du moment où Warburg, on sait qu'à cette époque-là, Warburg est malade, il est à Kreuzlingen. Quand il revient de Kreuzlingen en 1924, elle va devenir son assistante personnelle. Très peu de temps après, avec Fred Sachs, elle va devenir directrice adjointe de la bibliothèque. Et c'est là qu'on va parler d'une triade, c'est-à-dire une direction collective de la bibliothèque, Warburg, Sachs, Bing. En 1927, elle accompagne dans un premier court voyage Warburg de retour en Italie, et surtout en 1928-29, elle fait le très long voyage avec lui italien, dont le but principal est de faire avancer, éventuellement de terminer ce projet d'atlas d'image qui était l'atlas Mnemosyne. L'on lit le journal collectif de la bibliothèque de cette époque-là, on s'aperçoit combien cette période a été celle d'un dialogue extrêmement intensif dans lequel Warburg et Bing étaient en train de développer ce dernier projet dont on a la chance ces mois-ci de voir une reconstitution à la Haus der Kultur und der Welt à Berlin, et c'est une véritable révélation que de voir ce projet sous la forme en fait primaire qui était primitive, qui était celle d'une exposition. Donc grandeur nature, tout à coup beaucoup de choses qui étaient floues commencent à devenir précises, et le dialogue entre Bing et Warburg peut s'animer véritablement. Après la mort de Warburg, je l'ai dit, en 1932, elle fait l'Editio Princeps, qui est une édition très fortement commentée, dans laquelle il y a un très très gros travail de Bing. Dans l'exil londonien, elle participe à la construction de l'Institut Warburg avec Sachs. On peut véritablement dire qu'elle est avec lui, avec Sachs, le pilier qui a sauvé la continuité de la bibliothèque de Warburg et qui a permis qu'elle continue son travail sous la forme de l'Institut Warburg, du Warburg Institute, et intégré à l'Université de Londres après 1944. Elle a été, après Sachs et Henri de Frankfurt, la troisième directrice de l'Institut Warburg à partir de 1955 jusqu'en 1960, précisément au moment où Carlo Ginzburg arrivait à l'Institut Warburg, à la bibliothèque. Et on pourrait presque dire que sans elle, pas de tradition Warburg. C'est peut-être intéressant de noter ici que c'est une femme qui a été le gardien de la mémoire. Et l'éditrice, en revenant sur ce que tu évoquais tout à l'heure. Et je me faisais la réflexion en relisant le volume d'un seul trait pour la présentation de ce soir. Je me rendais compte, je m'en étais pas aperçue avant, qu'en 1932, quand elle publie les textes de Warburg, c'est aussi l'année où Cassirer publie la philosophie des Lumières. Je trouve que ça fait un bel écho entre les deux personnages. Je voudrais donc maintenant que nous nous interrogions un petit peu sur le travail de transmission de la bibliothèque et sur la méthode warburgienne telle que Bing à la fois la comprend et l'exploite. Et donc là, Carlo, vous avez des images que vous souhaitez commenter avec nous. Donc on va basculer sur votre PowerPoint. Alors, je crois que c'est la régie qui s'en occupe, n'est-ce pas? Ou c'est vous-même, Carlo, qui le faites sur votre écran? Ah! Comme vous... C'est la régie, alors je ne sais pas comment contacter la personne. La régie nous entend. La régie nous entend. Alors, il nous faudrait, s'il vous plaît, le PowerPoint... De Carlo Ginzburg. La régie arrive. De toute façon... Je vais introduire mon PowerPoint. Alors, entendu. Oui. Est-ce que je peux commencer? Absolument.
Je crois que oui, volontiers. Oui. Alors, je vais essayer d'identifier l'approche de Bing à la méthode warburgienne à travers une stratégie contrastive en utilisant l'œuvre de Gombrich. Et Gombrich a écrit... Oui. Voilà. Oui. Entendu. Ben c'est Philippe, c'est toi qui... Carlo, je vous en prie, vous pouvez, nous avons tous l'image maintenant. D'accord. Alors, Gombrich a écrit, nous avons besoin d'une distance critique pour évaluer d'une façon rationnelle la vision de l'histoire proposée par Warburg. Or, cette distance, on peut la trouver, nonobstant sa subjectivité poétique, dans Mnemosyne, le projet inachevé sur lequel Warburg travailla dans les dernières années de sa vie, plutôt que dans les essais sur Botticelli ou sur Sassetti, avec leurs digressions et citations. Pour Warburg, c'est toujours Gombrich qui écrit, le problème de la survivance de l'Antiquité n'était pas un problème formel, était un problème de psychologie collective. Or, dans la conférence donnée par Bing au Courtauld Institute en 1962, on trouve une description du projet inachevé de Mnemosyne qui n'a aucun rapport avec celle donnée par Gombrich. Je cite Warburg à son retour de la clinique de Ludwig Binswanger, trouva les choses radicalement changées. Entouré des gens empressés à les comprendre et à lui prêter main forte, il trouva le courage d'envisager une synthèse du travail de sa vie. Il imagina un atlas d'images retraçant l'histoire de l'expression visuelle au sein de l'ère méditerranéenne. Elle intitula Mnemosyne, nom qu'il avait également choisi comme devise pour la bibliothèque. Alors, d'un côté, nous avons la psychologie collective du côté de Gombrich, de l'autre, l'histoire de l'expression visuelle au sein de l'ère méditerranéenne, Bing. Alors, à mon avis, Gombrich ignore le rapport de continuité et discontinuité entre Mnemosyne et les essais florentins, identifiant dans l'œuvre de Warburg, d'une façon peu convaincante, une opposition entre la psychologie et la forme. Mais on peut partir de la conférence de Bing pour essayer une approche différente à l'œuvre de Warburg. Ici, il y a mon PowerPoint. D'abord, je vais lire un passage de Bing sur l'essai de Warburg dédié aux dernières volontés de Sassetti. Ici, on voit le tombeau de Sassetti. Et Bing écrit « Une telle interprétation, celle de Warburg, semble se rallier à la description partielle que Burckhardt donne de l'homme nouveau à la Renaissance. On pourrait croire que Sassetti avait adopté les attitudes héroïques de l'Antiquité classique en même temps que ses formules. En réalité, la réponse de Warburg était bien plus ambiguë et sa démonstration est à mettre au nombre de ses observations les plus significatives. Les quatre pendentifs, alors la prochaine image s'il vous plaît. Oui, ici il y a un détail, c'est toujours c'est Domenico Ghirlandaio à Santa Trinita à Florence, la chapelle Sassetti. Les quatre pendentifs surmontant les tombeaux de Sassetti et de sa femme, qui représentent des scènes de la vie publique romaine d'après des médailles impériales, sont peintes en grisaille. Ce transfert de l'objet sur un mode de représentation moins naturel aurait pour but d'exprimer l'éloignement. Or, c'est justement à partir de la grisaille que je vais suivre un fil. Alors maintenant, la prochaine image, s'il vous plaît. Alors, ici, il y a, disons,
fresque de Signorelli à Orvieto, c'est la chapelle de San Brizio. Et en fait, la chapelle, cette fresque a été révisitée par Abbé Warburg dans les voyages qui avaient été évoqués par Philippe. Le voyage avec Gertrude Wing à travers l'Italie en mars 1929, peu avant la mort de Warburg, c'est-à-dire en octobre. Alors, ici, vous voyez, disons, une scène, c'est la mise au tombeau de Christ, mais dans le fond, on voit une mise à tombeau en grisaille, inspirée par la mise à tombeau de Méléagre. Alors, ici, il y a la réalité peinte en couleur, et dans le fond, il y a, disons, cet écho, c'est-à-dire la mise au tombeau de Méléagre. Mais Méléagre est une figure du Christ. Vous voyez qu'il a une barbe, ce n'est pas un jeune homme. Un jeune homme sans barbe. Non, c'est vraiment, il y a ce rapport, on pourrait dire, de un rapport figural qui est basé sur la perspective. Alors, la prochaine image, s'il vous plaît, on peut voir que Signorelli... Ah, bon, de toute façon. Oui, Signorelli avait été inspiré par Mantegna, cette gravure célèbre. Vous voyez qu'il y a d'un côté, disons, il y a la mise au tombeau du Christ qui s'inspire de Méléagre. Et pourtant, Signorelli a utilisé le contraste entre la grisaille et la couleur. On peut revenir en arrière pour montrer la fresque d'Orvieto. Oui. Bon, alors, ce qui est assez frappant, c'est que dans Mnemosyne, alors on va... Dans une planche de Mnemosyne, Warburg a utilisé la fresque de Signorelli et pourtant il a coupé la scène en couleur. Alors vous le voyez au centre de l'image et ensuite la prochaine image, c'est, disons, elle est très mauvaise, mais de toute façon vous voyez, disons, comment Warburg a coupé le détail en grisaille. Alors à mon avis, il y a là quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire que on voit dans ce détail coupé le contraste, la continuité et la discontinuité surtout, entre, disons, la perspective historique de Warburg dans les essais florentins et une perspective morphologique dans Mnemosyne. On peut revenir en arrière pour voir la planche de Mnemosyne, où il y a, disons, des images qui ne sont pas liées par un rapport historique, mais seulement par un rapport morphologique. Or, tout le monde parle, alors il y a, disons, ce projet Mnemosyne qui a été, disons, lancé par Warburg après son retour à Hambourg. Et il n'y a pas de doute que, disons, Mnemosyne a des racines profondes dans l'expérience tragique de Warburg, l'expérience de la folie. Et pourtant, je pense qu'il y a aussi autre chose. C'est-à-dire que lorsque Warburg est rentré à Hambourg, il a trouvé que, et là je cite le mot de Bing, les choses étaient radicalement changées. Il y avait, disons, de gens qui avaient été influencés par le travail précédent de Warburg, qui étaient devenus des historiens de l'art importants, ensuite célèbres, et je pense surtout à Erwin Panofsky. Or, Panofsky, dans son livre Idea,
1924, avait proposé un parallèle entre la découverte de la perspective, l'invention de la perspective linéaire à Florence au XVe siècle et l'émergence d'un rapport avec l'Antiquité basé sur la distance. Il y a deux distances, la distance de la perspective linéaire et la distance de l'archéologie, de la philologie. Or, à mon avis, Warburg a évidemment lu ça, mais on peut penser que Warburg a réagi à Panofsky. Et il y a une réponse intellectuelle et il y a ce passage à la morphologie. Le ciseau de Warburg a coupé la perspective et nous avons maintenant un jeu de forme, une approche morphologique, justement. Alors, je pense que Gertrude Bing a, disons, d'une certaine façon, jeté un germe qu'il faudrait développer lorsqu'elle a souligné le rôle de la grisaille dans l'essai sur Sassetti, en disant que là, vraiment, c'est quelque chose, l'un des découvertes de notions plus importantes proposées par Warburg. Et je pense que si on peut suivre la grisaille en tant que fil conducteur, on trouve, disons, la continuité, la discontinuité entre les essais florentins et Mnemosyne. Si je puis me permettre de réagir, Carlo, oui. Je suis tout à fait d'accord avec vous et je pense que ce que vous venez de dire fait totalement écho à ce qu'on peut lire à plusieurs reprises dans le journal collectif de la bibliothèque Warburg, au moment où Bing et Warburg sont ensemble en Italie, où en effet il est question à plusieurs reprises de l'importance du bas-relief et de la grisaille en particulier, comme les moments de médiation première dans la réintroduction d'abord distanciée des formules de pathos antique à la Renaissance. Et je crois que y aurait tout un réseau textuel à reconstituer et à chaque fois lié bien évidemment à un certain nombre d'images, d'expériences visuelles en Italie. Et ce qui me frappe dans la réflexion de Gertrude Bing, c'est qu'elle est l'une des seules de cette école à systématiquement être en mesure d'expliciter les dispositifs de visualisation propres à Warburg qui éclairent ces développements conceptuels. Je voudrais juste citer un tout petit passage qui était déjà en effet dans la conférence de 1962 que vous avez citée tout à l'heure aussi, Carlo. Je cite, il s'agit de la nymphe, mais en fait ça pourrait tout à fait s'appliquer à ce que nous venons de voir, à ce que vous nous avez montré. Elle dit ceci, c'est en se penchant sur la nympha que Warburg inaugura sa manière singulière d'extraire une figure de son contexte formel. Qu'il en ait eu conscience ou non, il avait ici la caution du XVe siècle. Il retrouvait en effet une habitude de sélection visuelle qui permettait de voir les marbres classiques comme une succession de figures isolées, ce qui mettait nettement en relief les postures alors prêtes à être copiées ou réutilisées. Hein ? On voit très bien que le processus que vous nous avez montré tout à l'heure, Carlo, de découpe qu'effectue Warburg dans le morceau en grisaille de la peinture de Signorelli, et qui vient l'ajuster dans la planche 42,
C'est exactement ce qui est décrit ici. Et on voit comment Warburg, en fait, dans la diction de Bing, continue le travail qui avait été celui des artistes de la Renaissance, mais bien évidemment ici, sous un angle de la théorie de la connaissance. Merci. Alors, je vous remercie infiniment tous les deux pour ces explications. Et je soulignerai à mon tour à quel point, bon, pour tous ceux qui n'ont pas encore lu le texte comme tel, j'espère que tout ceci vous donne une grande envie d'aller voir à la source, mais à quel point ce travail d'explicitation par Bing des intuitions ou des positions théoriques de Warburg est prégnant dans le Tagebuch, dans le journal de la bibliothèque, où il est très élogieux envers celle qu'il appelait, alors elle avait plein de surnoms, mais par exemple la Bingiothèque, une contraction inédite qu'invente Warburg. Et donc voilà, juste pour souligner à quel point, de manière, disons, plus biographique, à quel point elle était très loin d'être une simple secrétaire de la KBV ou une simple bibliothécaire au sens d'un archivage brut. Enfin, elle était un élément d'explicitation du travail que Warburg entreprenait. J'aimerais vous faire réagir tous les deux sur une phrase que je vais citer de la page 93. Il s'agit d'une lettre de Bing adressée à Eric Warburg, donc un des frères de Abby Warburg. Et dans cette lettre, Bing décrit son projet de biographie, ce fameux projet qui n'a pas été achevé, mais elle le décrit de manière intéressante et j'aimerais vous faire réagir sur ce point. Je lis « Je me figure la future biographie du professeur Warburg dans le genre des « Life and Letters ». Cette forme est devenue presque classique en Angleterre, où l'on produit plus de biographies que dans n'importe quelle autre littérature et de meilleure qualité. Elle consiste à présenter un personnage célèbre à travers ses lettres classées par ordre chronologique, complétées et éclairées par un commentaire continu du biographe et, là où les lettres font défaut, par son compte-rendu des événements. Quand, comme dans le cas présent, le biographe est également un témoin oculaire, cette forme possède une immédiateté qu'on ne peut guère atteindre autrement. » Alors voilà, j'aimerais savoir, Carlo, je vais vous céder d'abord la parole, ce que vous pensez de ce projet de biographie et bibliographie intellectuelle. Ah, c'est un projet fascinant et pourtant... Et il paraît que Gertrude Bing a changé d'idée parce que ce que j'ai lu dans le livre en tant que commentaire au dernier texte, on dit qu'elle avait néanmoins visiblement abandonné l'idée de l'écrire en s'appuyant tout au long sur la correspondance de Warburg. Si l'élément personnel reste encore important dans ces pages sur le langage de Warburg, ce texte est, comparé aux autres documents du dossier, les moins proprement biographiques. Alors, je ne sais pas si, disons, il y a eu, disons, changement d'idée ou s'il y avait deux projets. Parce que je trouve que Gombrich dit qu'elle avait promis Bing un essai sur le langage de Warburg qui aurait dû être publié par l'Académie de Heidelberg. Alors, je ne sais pas s'il y avait deux projets ou s'il y avait une coupure, je ne sais pas. Oui, je pense que c'est une question tout à fait importante. On n'a pas tous les éléments pour y répondre. En fait, il y a d'abord une question de financement. Bing s'est adressé à deux institutions possibles. La première, c'était le Sénat de Hambourg, qui était bien évidemment intéressé à avoir une biographie de Warburg comme personnage important intellectuel de la ville de Hambourg en allemand. Ensuite, elle s'est adressée à la Bollingen Foundation, et c'est là entre autres que Siegfried Krakauer entre autres comme l'un des médiateurs, pour avoir un appui du côté américain.
Et là, l'idée était bien évidemment de faire une biographie intellectuelle en anglais. Alors, ces deux projets se sont entrelacés. On a du mal à voir un petit peu comment évolue la situation. L'impression que j'ai est la suivante. D'abord, il était clair pour elle qu'il s'agit, c'est pas simplement de faire le portrait de Warburg l'homme, mais de Warburg comme quelqu'un qui était au centre d'un réseau intellectuel extrêmement important. Et c'est là que la correspondance entre en ligne de compte. La correspondance de Warburg est colossale. On pense qu'il y a à peu près 30 000 lettres. Nous attendons depuis 2 ans les volumes des correspondances de Warburg, des Gesammelte Schriften, qui est sous presse depuis 2 ans. Ce sera un choix de 900 lettres. Donc 900 sur 30 000, ça donne une idée de ce qu'est le choix de l'éditeur. Alors quand elle nous dit « Life and Letters », ça veut dire aussi une chose, c'est une façon d'objectiver, on pourrait dire, l'écriture de l'histoire de Warburg et de sa bibliothèque, un petit peu comme un collage d'une correspondance. Et je crois de souligner ce qui est important pour elle, la dimension dialogique du travail scientifique de Warburg. C'était pas seulement vrai à l'intérieur de la bibliothèque et de tous ses collaborateurs, mais c'était vrai bien au-delà. Bing se trouve dans une situation où, d'un côté, elle connaît, elle a travaillé côte à côte avec Warburg dans ses dernières années, c'est-à-dire qu'elle connaît la dimension singulière de son oralité, de son caractère, je dirais presque de performeur en tant que quelqu'un qui fait des conférences projections, quelqu'un qui fait des expositions et qui va les commenter de manière presque improvisée, d'un côté, et de l'autre, c'est celle qui connaît le mieux l'archive. Et son projet essaie d'articuler ces deux moments-là, mais dans un deuxième temps, elle développe en effet, ce qu'a dit aussi Carlo, cette idée qu'il faut travailler sur le langage et le mode d'expression spécifique de Warburg pour comprendre exactement ce qu'il a apporté au plan méthodologique. Et là, il y a quelque chose de tout à fait étonnant, c'est que ce travail-là, elle ne fait non plus en anglais, mais en allemand. Et je me suis posé la question pourquoi. En fait, si on lit le texte, le dernier texte de notre livre, qui est intitulé, parce que c'est l'archive qui l'a intitulé comme ça, sur le dernier texte, sur le dernier manuscrit sur le langage de Warburg, en fait, c'est presque impossible d'écrire ce texte dans une autre langue que l'allemand, parce que c'est un travail d'analyse conceptuelle, philologique, d'explicitation des dispositifs de visualisation qui est d'une telle précision que on pourrait prendre des exemples. Ça serait très très difficile de l'écrire dans une autre langue. Alors, je crois que ces deux projets sont restés un peu côte à côte, mais on a l'impression que plus elle avance, plus ce travail sur le langage, qui en fait est une autre façon de commenter à nouveau l'édition commentée qu'elle avait déjà faite en 1932 ou qu'elle avait refaite en italien, qui paraîtra de manière posthume. C'est aussi lié à la question de la langue, et donc il y a une question de philologie qui se pose là. Alors c'est le dernier point sur lequel je voudrais vous faire réagir tous les deux. C'est la question donc des langues et du texte, et donc la question de la philologie, pas seulement la question de la traduction. Et à ce titre, donc, je vais vous faire réagir, Carlo, sur votre propre avant-propos à l'édition des textes de Bing. Avant-propos dans lequel vous insistez sur la philologie et sur un personnage important qui est Traube. Et vous reconstituez, en fait, une filiation, enfin, vous proposez un nouveau parcours de Traube à Warburg en passant par Bing. Est-ce que vous pourriez réagir sur cette préoccupation qui a été la vôtre autour de la philologie dans votre avant-propos? Oui, alors merci. En fait, je suis parti d'un détail. Comme Warburg disait, les bons dieux, c'est dans les détails, pas le diable. Alors, les détails, c'était
cette remarque de Bing, c'est-à-dire elle citait Warburg, qui disait que Ludwig Traube, c'est-à-dire le fondateur de la paléographie moderne, était le grand maître de notre ordre. Alors, un mot plaisant, une allusion maçonnique, mais alors je me suis posé la question, mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Warburg disait que Traube, c'était le grand maître de notre ordre? Et là, tout d'un coup, je me suis rappelé que, disons, un séminaire que j'avais entendu lorsque j'étais étudiant à Pise, à l'école normale, donné par Augusto Campana. Or, Augusto Campana avait rencontré Warburg lorsqu'il était un jeune homme à Rimini, et il y a dans le Tagebuch que vous avez cité, il y a un petit passage où on dit qu'on avait rencontré Warburg et Bing, le jeune Campana, un jeune homme très intelligent, mais, disait Warburg, n'a aucun sens visuel. Or, je pense que dans ce cas, Campana a démenti la remarque de Warburg, dans le sens que dans le séminaire qu'il avait donné à Pise, j'étais l'un de ses étudiants, c'était la prolusion que Campana allait prononcer à Urbino parce qu'il avait été nommé professeur de paléographie. Alors, il n'était pas si jeune, il avait eu une trajectoire compliquée. Étant antifasciste, il avait décidé de ne pas, disons, travailler dans l'université italienne. Il avait été scriptor à la Bibliothèque Vaticane pendant des décennies. Il était un grand chercheur, grand paléographe, grand érudit. Alors, dans cette prolusion, Campana avait cité un passage de Traube en remarquant qu'il y avait là une allusion à Morelli. Alors, je suis revenu au texte de Traube et j'ai découvert que la remarque lumineuse de Gertrude Bing sur Traube avait aussi des implications qui n'avaient pas été remarquées parce que Traube avait commencé son travail sur les erreurs des transcriptions en citant Morelli, c'est-à-dire les détails marginaux, les ongles, les bouts d'oreilles, etc., que Morelli utilisait pour identifier un peintre, avait été un modèle pour l'approche de Traube à la paléographie. Alors, nonobstant, disons, les remarques un peu, disons, pas très favorables à la connoisseurship donnée par Warburg pendant sa carrière, et pourtant, il était entouré par des gens qui étaient fascinés par la méthode de Morelli, et Traube lui-même avait regardé Morelli en tant que modèle. Alors, je pense que là, il y a quelque chose de très intéressant, dans le sens que il y a, disons, entre Warburg et Freud, un élément commun, c'est-à-dire Traube qui est le filtre par rapport à Morelli. Morelli qui avait été regardé par Freud est une inspiration pour la méthode psychanalytique. Alors, on a discuté beaucoup sur les rapports entre Warburg et Freud. Je pense que il y a eu des analogies pas convaincantes, mais là, il y a un élément de contexte, des contextes indirects, et pourtant très intéressant. Et alors, en fait, là, Bing a un passage magnifique, je vais lire, elle dit, à propos de l'importance de Traube pour Warburg, je cite, « Voilà que l'imagerie classique avec son interlude bourguignon. » Alors là, il y a une référence à l'expression de Warburg « antiquita alla francese », c'est-à-dire que, disons, l'antiquité grecque et romaine a été filtrée par, disons, un filtre bourguignon.
voilà que l'imagerie classique avec son interlude bourguignon apparaissait sur le même plan. Elle mettait en évidence la véritable valeur de la tradition classique en tant que point d'observation. Un moment historique peut être vu à travers deux paires de lentilles, l'une réglée sur l'aspect qu'il présente réellement, l'autre sur les chemins par lesquels a été acquise la connaissance du passé. Le récit délibéré ou implicite que nous fait chaque époque de sa propre antiquité jette un éclairage indirect dans les deux directions. Alors ce passage, qui est un commentaire lumineux, soit sur Warburg, soit sur son inspirateur, c'est-à-dire Traube. Mais Traube a inspiré aussi le grand philologue italien Giorgio Pasquali, qui a écrit un essai magnifique sur Warburg à la mort de Warburg. Et justement, dans la conférence de Gertrud Bing en 1962, elle commence en citant un passage de Pasquali en italien. Alors je pense qu'il y a là, disons, une tradition philologique qui continue et qui a inspiré le grand livre de Pasquali, malheureusement jamais traduit dans d'autres langues, qui s'appelle Storia della tradizione e critica del testo, Histoire de la tradition et critique du texte, les deux lentilles évoquées par Gertrud Bing. Il y a là, je crois, une possibilité d'approcher l'œuvre de Warburg d'une façon inattendue. Morelli et ses détails marginaux entrent, disons, dans ce contexte d'une façon inattendue. Merci. Merci infiniment. Ça touche aussi à l'articulation entre le mot et l'image, mais je ne sais pas si on aura le temps de développer ce point. Philippe, voudrais-tu réagir sur... Oui, absolument. Le mot et l'image, c'est tout à fait le point d'articulation que souligne systématiquement Bing dans ses travaux, en particulier dans son travail de réflexion sur le langage. Et s'il fallait souligner une autre tradition philologique, qui n'est pas une autre d'ailleurs, qui est une tradition philologique parallèle, il faudrait reparler aussi de l'influence colossale de Hermann Usener sur Warburg et sur ses concepts. Bing, peut-être aussi parce qu'elle a eu une formation philosophique et philologique littéraire et qu'elle n'est devenue historienne de l'art que, en fait, en accompagnant Warburg dans son voyage italien, a une capacité à saisir ces moments-là chez Warburg qui est totalement unique. Elle a en particulier juste une phrase que j'aimerais citer d'elle dans ce fragment, ce dernier fragment sur le langage. Elle dit la chose suivante: c'est seulement dans son mode d'expression que nous découvrons la clé des idées générales par lesquelles Warburg se sentait guidé. Ce que ça veut dire, hein, c'est que ces idées générales de Warburg ne sont jamais exprimables indépendamment d'un côté des études singulières, hein, auxquelles elles s'appliquent et des concepts spécifiques qu'il développe à chaque fois. C'est une des raisons pour lesquelles ce sont des concepts si difficiles à traduire. Ce sont très souvent des créations. Nachleben, que j'aurais tendance à traduire par vie posthume et non pas survivance. Pathos formel, formule d'émotion. Bilderfahrzeug, véhicule d'image. Zwischen und Denkraum, c'est-à-dire espace intermédiaire et espace de pensée, etc., etc. Là, on voit comment l'importance de la philologie et des langues originales est clairement perçue par Bing. Et je pourrais dire que, en fait, ce qui manque probablement dans la réception francophone ou française de Warburg, c'est l'édition de Bing qu'elle a faite une fois en allemand en 1932, une deuxième fois pour un public plus large en 1966 en italien.
Nous n'avons pas cette édition des textes de Warburg avec le commentaire de Bing et les images qu'il a pu utiliser ou projeter. Et cela manque de manière cruciale, je crois, pour saisir la pensée de cet étonnant historien et théoricien de la culture. L'importance de la philologie des langues originales est ce qui nous a amené à faire le choix de partir des originaux de l'archive et de faire un volume multilingue. C'est-à-dire que nous avons présenté les textes dans la langue dans laquelle ils se trouvaient, nous les avons mis en contexte, nous les avons commentés et nous les avons traduits. Mais il me semble très très important d'utiliser ce modèle qui est en fait le propre modèle de Bing que nous avons essayé de reporter sur notre tradition. Je vois là une double tradition philologique à réinventer, qui est à la fois une philologie du langage, mais en même temps aussi une philologie du rapport du langage à l'image. C'était la vocation de la collection inédite, et je crois qu'on ne peut que remercier Carlo Ginzburg de nous avoir fait l'amitié d'une préface à cette difficile édition. Alors, je vous remercie tous les deux. Je vois qu'il est 19h30. Nous avons le temps de quelques questions avant que nous ne soyons obligés de quitter la salle pour des questions de règles Covid à Paris. Est-ce qu'on peut peut-être supprimer le partage, tu sais, comme ça on verra mieux Carlo dans la salle. Attends, je vais le faire. Alors, avez-vous des questions à poser ou des points que vous souhaiteriez aborder? Ah, merci. Attends, c'est celui-là. Arrêtez le partage. Voilà. Oui, merci. Je vous en prie. Alors, y a-t-il des questions que vous aimeriez poser à nos deux interlocuteurs? Merci. Merci pour votre présentation. Je me demandais s'il y avait des raisons historiques particulières à un peu peut-être l'oubli de Gertrude Bing est-ce qu'il y a eu un oubli en fait après? Moi, je suis peut-être un peu jeune et je ne sais pas tout ce qui s'est passé entre temps, mais finalement, pourquoi est-ce qu'on l'édite seulement maintenant? Est-ce que par exemple en Allemagne, ses travaux sont plus connus qu'ici? Est-ce que tout ça, c'est complètement inédit aussi, par exemple? Enfin voilà, je voulais savoir pourquoi un peu tout ça ressort maintenant et pourquoi c'était enfoui d'une certaine manière. Merci. Peut-être je commence. Oui, merci pour la question. Ça peut paraître un effet étonnant, mais c'est la première fois depuis 1965 où l'Institut Warburg a fait un volume d'hommage à Gertrude Bing après sa mort, mais c'est la première fois que l'on édite, réédite ces textes. Alors ça peut paraître étonnant, les raisons sont multiples. L'une d'elles, c'est qu'en fait elle n'a pas donc publié cette première biographie intellectuelle qu'elle prévoyait, que c'est la biographie intellectuelle de Gombrich qui a pris sa place d'une certaine manière et donc qui a quand même influencé la réception de Warburg dans un sens différent et qui est un petit peu aussi un sens de l'oubli des années de Hambourg, de cette bibliothèque collective. Je pense que le terme de collectif est extrêmement important. Quand on a redécouvert Warburg, on s'est surtout intéressé aux personnages, aux mythes Warburg, etc., parce qu'il y a quand même très très peu de textes. Et je pense qu'on est maintenant arrivé à un point où dans la recherche, que ça soit anglophone, en italien, germanophone ou aussi francophone, où on se pose de plus en plus la question de replacer ce travail de Warburg dans le contexte de la bibliothèque. Et donc là, inévitablement, bien évidemment, les personnages principaux vont être Fritz Sachs, vont être Gertrude Bing, et on va redécouvrir tout un pan de ceux qui, en fait, ont
permis ce qu'une tradition Warburg existe et qui reste encore en grande partie dans les archives. Il ne faut pas oublier que l'édition des écrits de Warburg en 7 volumes, qui était planifié donc dès le début des années 30 par Saxel et Bing. Donc Bing a fait les deux premiers volumes qui sont les écrits proprement dit, n'est pas encore terminée. C'est-à-dire qu'elle a été reprise à la fin des années 90 en Allemagne, en collaboration avec l'Institut Warburg. Et là, nous attendons encore 3-4 volumes. Les volumes que nous attendons sont quand même le volume des conférences, qui, à mon sens, est le volume le plus important. C'est-à-dire, c'est là où on voit Warburg en action. Il y a le volume de la correspondance dont j'ai parlé tout à l'heure, mais on va avoir un 1/30 de sa correspondance. Il y a aussi le volume, à mon sens, très, très important, qui est le catalogue de la bibliothèque anno 1929, quand Warburg est mort. Et ça, c'est totalement fondamental. C'est-à-dire, si on veut comprendre le travail de Warburg, il faut comprendre sa bibliothèque. Et comprendre sa bibliothèque, ça suppose qu'on ait les éléments pour, et c'est la reconstitution de son catalogue. Donc, vous voyez, à partir de là, on est obligé d'aller vers les autres figures que sont Bing, que sont Saxel, mais il faudrait intégrer Edgar Wint, il faudrait intégrer, bien évidemment, Panofsky n'a pas besoin d'être intégré dans la mesure où il a fait carrière, où il est connu, mais Raymond Klibanski, toute une série de penseurs moins connus qui faisaient partie de ce cercle et qui, je crois, vont permettre de mieux comprendre la dynamique de la méthode de Warburg. Mais peut-être que Carlo a aussi une proposition à ce sujet. Deux mots seulement, c'est-à-dire que pourquoi cet oubli, au fond, on a redécouvert Saxel il y a longtemps et Wint, bien sûr. Pourquoi pas Gertrude Bing? Eh bien, elle était une femme, elle s'est sacrifiée pour les autres. Et ça, c'est tout à fait simple, mais il faut la redécouvrir, sans doute. Et il faudrait aussi republier ce qu'elle a publié. Ce sont des essais vraiment importants. D'autres questions? Je voudrais juste souligner la difficulté du corpus face auquel on se trouve, puisque vous avez, on vient de le dire, un corpus qui est fait de matériaux extrêmement divers. Les lettres, les textes, les conférences, la bibliothèque, la photothèque, vous voyez, le corpus est extrêmement éclaté et les traductions sont, je pense au français, donc il y a des traductions récentes qui sont parues aux éditions de l'Écarquillé, celle de l'Atlas Mnemosyné et l'ouvrage qui s'appelle Miroir de faille, qui sont, alors l'Atlas, la présentation de Warburg est traduite c'est important, il y a les planches, et Miroir de faille, ce sont des morceaux, et notamment le morceau, moi à mon avis, un des textes qui serait fondamental pour que Bing retrouve toute sa place, c'est le Tagebuch, enfin ce journal de la bibliothèque, oui, qui est très épais, donc l'entreprise de traduction, c'est ça. Et donc vous avez un extrait dans l'édition française Miroir de faille, mais justement un morceau. Donc on est face à des morceaux tout le temps. D'où l'idée enfin, ce que soulignait Philippe Despois pour l'allemand et pour l'italien, de deux éditions de textes, mais qui ne sont elles aussi qu'un petit morceau de ce que représente l'ensemble des textes produits par la bibliothèque, qui plus est pendant plusieurs années. Vous voyez bien, ça s'étale sur. Donc on est face à un corpus qui est très, à mon sens, très particulier et difficile à travailler. Parce qu'il est fait de beaucoup de fragments et de beaucoup de textes avec des statuts différents. Et Bing, là-dedans, je partage aussi ce que vient de souligner Carlo, je crois qu'elle a été tout simplement dévalorisée parce qu'elle a mis toute son énergie, là je partage tout à fait votre avis Carlo, toute son énergie à servir le projet collectif, beaucoup plus qu'à publier ses propres textes et ses propres recherches.
Je pense que c'est très très important de souligner ce point, qui est aussi lié au fait que c'était une femme qui, néanmoins, a eu des responsabilités qu'elle n'aurait jamais eues en Allemagne à cette époque-là. Il faut aussi le dire. Mais le type de travaux scientifiques qui caractéristique de Bing, ce sont des classements thématiques par voisinage. Ce sont des suivis de séries de la bibliothèque Warburg, Studien der Bibliothek Warburg, et dont elle a fait tous les doubles index. Hein? Qu'est-ce que c'est faire un index scientifique double, c'est-à-dire qui croise les noms de personnes et de lieux d'un côté et les concepts de l'autre. Hein, c'est donner une possibilité pour lire de manière croisée les textes, qui est tout à fait spécifique du type de travail qui était fait là. C'est la bibliographie Zum Nachleben der Antike, le projet collectif dont parlait Carlo tout à l'heure, des années 1931 à 1934, dont la dernière partie paraît en anglais et qui est un petit peu le passeport de la bibliothèque pour Londres, à l'époque où Bing publiait les écrits les deux volumes des écrits de Warburg qu'elle commentait. Elle a publié en l'espace de 2 années 60 contributions à cette bibliographie. Je veux dire, ce sont des toutes petites recensions. C'est un type de travail qui n'est pas classique. La correspondance. Il y a probablement des dizaines de milliers de lettres de Bing qui correspondent à des lettres qui sont scientifiques, certainement, mais qui sont aussi des lettres personnelles. On peut reconstituer tout le réseau de la bibliothèque Warburg, en particulier après-guerre. À travers ce travail-là. Et donc ça ne correspond pas aux catégories dans lesquelles on pense l'œuvre. Et j'ai commencé tout à l'heure en disant que le paradoxe, c'est que Warburg n'a pas une œuvre au sens traditionnel du terme. Bien évidemment, c'est encore plus vrai pour ses collaborateurs et encore plus vrai pour quelqu'un comme Bing. C'est pour ça qu'on a de la difficulté à la redécouvrir. Mais je pense que c'est quelque chose qui est en cours et d'après ce qu'on peut voir dans les colloques internationaux, toute la communauté, le collectif de la bibliothèque Warburg commence à obtenir une attention qui est, je crois, extrêmement intéressante. On a, je ne sais pas, nous avons le droit de prendre une question ou nous arrêtons là ? Il nous reste deux minutes. Alors, une ultime question, si vous en avez une. Carlo, auriez-vous une dernière remarque à faire avant que nous cessions ? Une dernière remarque. Alors, il s'agit d'une phrase de Gombrich qui disait Warburg n'était pas intéressé à une approche stylistique à l'histoire de l'art. Et alors, je dirais que l'homme qui a créé l'expression antiquita à la française, et, évidemment, était sensible au phénomène stylistique. Et là, on voit aussi, disons, la façon de manier un langage qui n'était pas sa langue maternelle et pourtant était devenu son langage. Aussi. Merci beaucoup. Alors, nous vous remercions de votre présence. Nous vous remercions, Carlo, de ce duplex entre la France et l'Italie. Et puis, nous remercions l'INHA, bien entendu, pour toute l'organisation technique. Et puis, nous vous souhaitons une bonne soirée qui sera brève, puisqu'on est à Paris. Voilà. Merci. Merci Carlo d'avoir été avec nous. Merci Philippe. Merci Carole. Au revoir. Merci à tous. Je voulais juste ajouter que si vous souhaitez...